Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com. Je suis très heureux de vous présenter ce tutoriel complet sur le Headrush Pedalboard de chez Headrush FX. Comme vous l'aurez compris, c'est un produit dédié à la guitare. Un pédalier multi-effet numérique avec des simulations d'ampli et de baffles, et nous aurons un écran OLED tactile. Alors Headrush fait partie du groupe InMusic qui est le propriétaire entre autres d'Akai, de M-Audio et d'autres. Et ici, il nous propose donc ce Headrush Pedalboard qui est une version propulsée ou améliorée par Eleven. Alors Eleven, c'était l'Eleven Rack proposé par Avid il y a déjà pas mal d'années, hein, qui avait rencontré un énorme succès. Et donc, ils ont repris la programmation en présentant le Headrush Pedalboard en s'appuyant sur la technologie déjà employée chez le Eleven. À l'intérieur, il y a un nouveau DSP, c'est ce qui permet d'avoir les simulations d'ampli, enfin le traitement des simulations d'ampli, des effets, des impulses-réponses, etc. On a 34 modèles d'ampli, 46 effets, 15 baffles et 10 micros. Bien sûr, on a des impulses-réponses, les IR, mais on retrouve également un tape tempo. Ici, on va retrouver un looper complet. On a la connexion via USB pour utiliser en mode live ou séquenceur et même réamping. Donc nous verrons ce qu'est le réamping, mais c'est vraiment très pratique. Le DSP est un DSP puissant parce que c'est un DSP 4 cœurs. Ce qui est vraiment intéressant sur ce Headrush Pedalboard, c'est son architecture et sa convivialité. Vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités de réglage, mais tout se fait de façon très claire avec l'écran, les potards physiques pour régler les valeurs ou avec l'écran tactile, les 12 foot switch ici, très pratique donc de l'utiliser au pied, et toute la connectique à l'arrière qui va avec. Dans cette formation ultra complète, nous allons voir les fonctionnalités avec la face supérieure, la face arrière. Ensuite, on verra le fonctionnement avec l'écran principal, les affichages et la configuration des rigs. Ensuite, on enchaînera avec les réglages des paramètres, puis l'assignation du matériel. On parlera ensuite des setlists, puis du mode main libre. On regardera le looper, bien évidemment, les réglages généraux, la fonctionnalité via la connexion USB, ainsi que l'écran de verrouillage. Et puis après, on verra aussi comment construire tel ou tel type de son. Allez, commençons de suite le tutoriel sur le Headrush Pedalboard avec les fonctionnalités. Faisons un aperçu de la face supérieure. En premier, nous avons l'écran ici, c'est l'écran principal. Cet écran couleur, tactile, multipoint, affiche des informations relatives au fonctionnement actuel du pédalier Headrush. On va pouvoir toucher l'écran et utiliser les commandes physiques, par exemple, pour régler les différents paramètres. Justement, sur la droite, nous avons trois knobs, trois boutons rotatifs sans fin qui vont nous permettre de faire des réglages par rapport à ce que l'on aura sélectionné. Ici, par exemple, ou choisir un ampli, les micros, etc. On a ensuite un encodeur ici qui a plusieurs fonctions. On peut notamment naviguer ici. Et quand on a choisi un élément,
on peut appuyer dessus pour pouvoir éditer l'élément en lui-même. Vous voyez, c'est très pratique de ce côté-là. Là, et je reviens. On va avoir les foot switch, les commutateurs au pied. Donc là, ils auront plein de fonctions différentes, mais on peut par exemple passer d'un preset à un autre. Là, comme ceci. On verra les différents modes qui nous permettent de passer par exemple en mode stomp. Et là, on va avoir les pédales que l'on peut activer, désactiver par exemple. Voilà, les cabinets, l'ampli. Je refais un appui long, ça on y verra dans le détail. On a un mode donc rig, hybride et setlist. Nous pourrons à tout moment changer l'affectation de ces foot switch. En dessus de chaque foot switch, nous avons des petits écrans qui vont nous renseigner, c'est des bandes d'affichage qui indiqueront par exemple la modélisation, la configuration, la setlist, la commande ou les sélections disponibles assignées à chaque pédale. On a en plus des voyants de pédale commutateurs, donc vous voyez qu'on a des codes couleurs ici, qui nous permettent de savoir où on en est et ce que l'on fait. On va avoir la pédale d'expression, donc on pourra utiliser cette pédale pour régler le ou les paramètres qui lui sont assignés, par exemple bien évidemment le volume ou pour la pédale wah-wah. On aura en haut ici, juste en dessus de la pédale, les LED témoins de la pédale d'expression. Donc cela indique si la pédale d'expression contrôle quelque chose et comment elle le contrôle. On va retrouver un volume général, c'est le volume master. On va retrouver un volume phone, casque, donc séparé de la sortie master. Ça, c'est très très bien vu. Et on va avoir également un volume aux auxiliaire qui nous permet de régler le niveau du volume de l'entrée auxiliaire. Là aussi, indépendante du phone et du master. Très ingénieux, on ne le voit pas ici, mais sur la droite, dessous, on a un passage de câble. Donc on va pouvoir faire passer tous les câbles dans cette goulotte sous le pédalier Eldrush pour garder votre scène nette et éviter qu'on se prenne les pieds dans les câbles. Parlons de la face arrière du Eldrush. Tout d'abord, nous avons ici l'alimentation. On va pouvoir raccorder cette entrée à une prise secteur au moyen du câble d'alimentation qui est fourni. On a ensuite l'interrupteur power ici d'alimentation. Donc ça va nous permettre de mettre sous tension le Eldrush. On pourra également presser ce bouton pour éteindre le Eldrush. En dessus, ici, on a une grille de ventilation. Donc attention, veillez à ce que cette grille ne soit pas obstruée quand vous utilisez le pédalier Eldrush. De l'autre côté, on a en input ici l'entrée pour guitare sous forme d'un jack 635 2.TS. Alors, on va pouvoir donc connecter ici et brancher sa guitare au moyen d'un câble standard pour instrument. Ensuite, ici, on va avoir EXP 2. Tout simplement, c'est l'entrée pour pédale d'expression au format jack 635 3.TRS. Donc, on va pouvoir brancher à cette entrée une seconde pédale d'expression optionnelle au moyen d'un câble standard pour instrument. Encore sur la droite, on a l'aux in qui est l'entrée auxiliaire en format mini jack 335 à 3.TRS. On va pouvoir brancher à cette entrée une source audio optionnelle, par exemple un smartphone, une tablette, au moyen d'un câble mini jack 3,5 mm stéréo. Ensuite, on a les deux sorties au format
XLR. On va pouvoir raccorder ses sorties, eh bien, aux entrées de sa table de mixage ou bien de ses enceintes actives. S'il ne vous faut qu'une seule sortie, utilisez celle marquée L mono. Ici. Si vous entendez un ronflement ou un bruit quelconque dans le signal produit par ces sorties, essayez de changer la position du commutateur de suppression de masse ici. Et bien justement, ce commutateur de suppression de masse, enclenché quand il est enfoncé, ce commutateur peut réduire le ronflement ou le bruit présent dans le signal produit par les sorties XLR. On a ensuite les deux sorties en jack, jack 635 3. TRS. On va pouvoir raccorder ces sorties aux entrées de son amplificateur, de son interface audio, par exemple. On va pouvoir régler le sélecteur ici, amp, line, en fonction de l'appareil connecté. Si vous n'utilisez qu'une seule sortie, choisissez celle qui est marquée left mono. Ce sélecteur ici, amp line, eh bien, c'est un sélecteur pour choisir le niveau du signal envoyé par les sorties jack 635. Avec un réglage sur amp, le niveau de sortie est de plus 6 dBU, donc pour un amplificateur de guitare standard. Avec un réglage sur line, la sortie est de niveau ligne, soit plus 18 dBU. Ensuite, on a la sortie casque phone sur un jack 635 3. TRS. On va pouvoir brancher un casque stéréo à cette sortie. On va pouvoir utiliser le bouton de volume du casque pour contrôler le niveau de volume. On a ensuite les send, right et left mono qui sont les sorties de départ sous forme de jack 635 3. TRS. On va pouvoir raccorder ces sorties aux entrées d'un autre module d'effet, d'une pédale d'effet par exemple, ou au retour de boucle d'effet d'un amplificateur. On va pouvoir régler le sélecteur stomp rack, ici donc effet en rack, pédale d'effet, en fonction de l'appareil connecté. Si vous n'utilisez qu'une seule sortie, vous utiliserez celle qui est marquée L mono. Utilisez le pré-réglage FX loop stéréo de l'écran global settings, donc dans les réglages globaux, pour déterminer si le signal sortira en mono ou en stéréo. On retrouve les entrées de retour, return, right et L mono, sous forme de jack 635 3. TRS. On va pouvoir raccorder ces entrées aux sorties d'un autre module d'effet, d'une pédale d'effet ou au départ d'une boucle d'effet d'un amplificateur. On va régler le sélecteur rack stomp, donc effet en rack, pédale d'effet, en fonction de l'appareil connecté. Si vous n'utilisez qu'une seule entrée, choisissez celle marquée L mono. On va pouvoir utiliser le réglage FX loop stéréo de l'écran global settings, réglages globaux, pour déterminer si le signal entrera en mono ou en stéréo. Ce sélecteur stomp rack, on va pouvoir l'utiliser pour choisir le niveau du signal produit par les sorties de départ, send, ici, à destination des entrées d'un appareil externe, par exemple une unité d'effet en rack, une pédale d'effet, etc. Avec un réglage sur rack, eh bien, la sortie est de niveau ligne, soit plus 18 dBU. Avec un réglage sur stomp, le niveau de la sortie est de plus 6 dBU. Comme une pédale standard pour guitare. On a ensuite les entrées MIDI. Donc, c'est des MIDI DIN 5 broches. On va pouvoir utiliser un câble MIDI standard pour raccorder cette entrée à la sortie MIDI d'un appareil MIDI externe, bien évidemment. On aura la sortie et le renvoi MIDI, toujours en DIN 5 broches. On va pouvoir utiliser un câble MIDI standard pour raccorder cette sortie à l'entrée MIDI d'un appareil MIDI externe. On pourra régler cette sortie pour qu'elle se comporte comme une sortie MIDI standard ou comme un renvoi MIDI sous. Enfin, nous avons le port USB. On va pouvoir raccorder ce port USB à un ordinateur au moyen d'un câble USB standard. Cette liaison permet au pédalier Edrush d'envoyer et de recevoir un signal audio numérique vers et depuis un ordinateur.
On peut également l'utiliser pour importer ou exporter des configurations, des pré-réglages de modélisation, des setlists et des fichiers de réponses impulsionnelles IR. Cette liaison sert également à mettre à jour le logiciel interne, firmware.